Salut les gars! Aujourd'hui, nous sommes d'excellente humeur! Nous nous amusons bien et dans une demi-heure, tout va changer radicalement! Car des serpents géants vont nous rejoindre! Ouais, des serpents géants tout simplement! Pas des tout petits de rien du tout! Non, pas comme ça! Des serpents énormes et gigantesques! Et vous savez ce qu'on va faire? On veut remplir notre piscine avec eux, mais pas juste comme ça! On va jeter un tas de serpents! Ouais! On va nager avec eux. Nous allons nager avec des serpents géants aujourd'hui. Et ouais, c'est tout simplement incroyable. C'est une explosion cérébrale. Aujourd'hui, nous allons affronter notre pire peur droit dans les yeux. Ce qui va se passer aujourd'hui est une véritable folie. Parce que les serpents dans l'eau sont un énorme danger. Mais nous voulons savoir comment les serpents vont réagir, comment ils vont nager dans la piscine, bref, ce que nous allons vivre ensemble. Parce que nous avons vraiment peur des serpents, les gars. Mais surtout, maintenant, je n'ai pas peur des serpents. J'ai peur que cette vidéo soit très peu vraiment regardée. J'ai peur qu'il y ait très peu de likes sur cette vidéo parce que c'est un vrai risque. Il y aurait bien une autre vidéo, mais celle-ci est vraiment risquée, les gars. Et je veux vraiment que le plus grand nombre possible de personnes la regardent. Si vous vous regardez depuis longtemps, écrivez 2-3 commentaires sous ce clip vidéo, absolument n'importe lesquels, et bien sûr mettez un like, ça aidera grandement la vidéo à avancer. Et si vous êtes à nouveau, descendez et cherchez le bouton rouge subscribe et abonnez-vous à la chaîne. C'est très amusant avec nous, nous faisons des choses folles. Et je pense que vous ne vous ennuierez pas vraiment. Et pour vous motiver à aimer cette vidéo et à vous abonner à votre chaîne, je vais vous dire la chose suivante. Si 500 000 likes sont collectés sous cette vidéo, nous nagerons avec de vrais crocodiles, les gars. Oui, les gars, c'est juste un truc de malade. C'est dur. Alors, croyez-moi, cela vaut la peine de s'abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo. Allez, vraiment, merci beaucoup. Alors, les gars, ils sont arrivés. Oui, nous devons les rencontrer. Allez, appelez, annulez. Dites-nous que nous avons tous changé d'avis, Maxouta. C'est bien, je n'ai pas besoin d'être raisonné longtemps. Pour être honnête, je blague vraiment pas, les gars. Le trac est très fort. Mais je ne peux pas dire que le trac me fait trembler en ce moment. Je te dirais, non, ne les emmenez pas. Mais je suis juste super nerveux parce que... Allez, on y va, les gars, c'est parti. Ouais, nous les rencontrer maintenant. Ce sera aussi drôle que possible si nous commençons à prendre le conteneur et qu'il se jette immédiatement sur quelqu'un, ouais. J'ai déjà peur, les gars, je vais aller aux toilettes. Allez, les gars, on va faire les faire sortir. On y va. Nous devons les faire rentrer rapidement, car nous devons éviter qu'ils ne soient trop nerveux. Sinon, ils sont nerveux, ils se montreront agressifs, et c'est du moins ce que nous a dit. Je vois que ce serpent infernal ne se montre pas trop nerveux pour l'instant. Je vois les conteneurs. Ouais. Et j'ai même pas envie de les regarder. Il y en a deux qui sont vraiment mauvais. En principe, quand vous discutez avec vous, vous avez dit que quelque chose arrivait, nous serions là et prendrions des responsabilités, ouais. L'idée est vraiment folle. Il s'agit d'une activité sérieuse. Nous avons besoin de mains compétentes, de beaucoup de mains pour contrôler la sécurité. Il ne faut pas reproduire l'expérience. Mais nous allons essayer de faire en sorte que tout le monde survive. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Et dans la valise, il y a le plus gros. Tenez. Quoi? C'est un serpent? Ouais, plus vite. Va vite à l'intérieur. Alors, André, prends-le. Oh mon dieu. Il est aussi méchant, celui-là. Ben, je m'en vais. Doucement. On se calme, vous entendez? On l'enferme quelque part, peu importe. Il est juste dans mes mains. Il me regarde. À l'aide. Oh mon dieu, c'est ça? Tu l'as sorti? S'il vous plaît, calmez-vous, je vous en supplie, vraiment, calmez-vous. Allons. Non. Allez, on y retourne. Mais c'est très lourd. Et ça fait peur. Oh la vache! Wow. Comment faire pour qu'il ne puisse pas sortir? Elle ne l'ouvre pas, d'accord? J'ai même peur de te garder dans un conteneur. Quel genre de monstre c'est? Ça regarde comme il est énorme! Regarde! Non! Un truc de ouf, non? Mais non! Qu'est-ce que t'en penses, non? Ouais? Je dois l'ouvrir comme ça et aller... Allez, ouais, j'ai mis la tête dedans! Là-bas? Oh, ils sont énormes, les gars! Mais celui en fait un est trop énorme, j'ai trop peur! Non, franchement, ça regarde, c'est énorme ce truc! Ils sont dangereux! J'ai maintenant dans ma main, dans cette valise, 35 kilos de puissance mortelle. Je ne sais pas si je peux apporter une serviette pour qu'il ne se mette pas en colère, poser un tapis, un truc. Je suis prêt pour lui faire un massage. Attends, combien y en a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bien, le géant.
Le clou du programme? Ça, c'est l'invité? J'espère qu'il y a des protections. Non, je suis sous choc. C'est quoi la température? Ouais, il fait parfait. C'est bon, ouais. On a tout rapporté. Il se trouve que nous avons une valise avec des trucs ici, là. Voyons voir. J'espère que c'est une valise avec des trucs. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai même peur de me déplacer, les gars. 8. Ouf. Oh. Allez, jetons un coup d'œil à l'un d'entre eux, juste pour voir la gueule qu'ils ont. Ouais, ça m'étonne. Ouais. Commençons par celui-ci. Il est en principe très gentil. Oh. Ah oh, putain, la taille! Combien de mètres mesure-t-il? Ouais, il doit faire 2,80 probablement. Caresse-le! C'est possible seulement, mais pas à côté de la gueule, ok? Il saute très brutalement, plus vite qu'on cligne des yeux. Ouais, c'est une blague ou quoi? Non. Non, pour de vrai? Non. Ah! Ah! Oh non, putain, c'est faux là! Je pense que moi je vais me casser, les gars! Tu sais comment les serpents tuent? Ils étouffent? Ouais, c'est ça. Oh. Écoute, mais la question est, s'il veut me briser le cou, est-ce qu'il le fera facilement? Celui-là, non. Celui-là, non. Ouais. Il va pas étrangler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Il va s'enfuir, mais il est calme. C'est un peureux. Il n'y a qu'un seul trouillard ici jusqu'à présent. Le voilà, et d'une manière ou d'une autre. Et il se tient. Il peut m'étrangler, non? Non, mais non, il m'étrangle sérieusement, eh bien. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins sur le visage. Ils font ça. Vous voyez mon visage, t'as vu, il devient tout rouge là, arrête. Arrête, pas besoin. Donnez-le à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il bien, faut prendre une autre. Celle-là, vous avez déjà vu qu'il ne mord pas. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Il y a toujours un risque de morsure, c'est-à-dire que ces animaux ne se laissent pas dresser. Ils s'habituent seulement à nous comme à un élément extérieur et étant. C'est le plus petit, n'est-ce pas, non? Bah non, il y en a encore un plus petit. Ouais, non, bien, et il se ressemble beaucoup, non? Ouais. C'est quoi? C'est un anaconda! Ah! Oh non, allez, là! Allez, allez! Tu as dit toi-même que tu le regarderais. J'ai pas dit ça! Je l'ai fait. Juste, s'il te plaît. Maxota, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'il fait avec sa queue? Il t'aime bien. Vous pouvez l'enlever! N'aie pas peur. T'es devenu tout pâle, mec. Ne crie pas. Vaut mieux de pas faire de mouvements brusques. Mais je peux pas ne pas le faire. Un piton sur la jambe. Bon, ok. Je n'aime pas vraiment l'idée qu'il rampe entre mes jambes. Nous avons regardé le moyen. Maintenant, montre-nous le plus gros. Maintenant, on va peut-être le laisser pour la fin, parce que vous risquez de ne pas le supporter. Qu'est-ce que dure pas, on n'y arrivera pas, encore une fois. De combien de mètres s'agit-il? Ça, c'est 3 mètres, elle peut être 10 ou 15. Et le plus grand? Environ 5 mètres. 5 mètres, ouh! 3 mètres, c'est déjà dangereux, très dangereux, mais pour les pitons de tigre, c'est 1 mètre et demi de serpent pour une personne. En bref, ils m'ont donné un gant spécial pour que je puisse caresser ces choses fascinantes en toute sécurité. Je m'approche en douceur, je m'assois, tout va bien, je suis ton ami. En bref, une information intéressante, s'avère qu'il faut prendre 1,5 mètre de serpent par personne, c'est-à-dire que si vous êtes seul et que le serpent fait, disons, 2 mètres, vous ne pouvez pas du tout travailler avec lui, parce que c'est trop dangereux, vous ne pouvez tout simplement pas le gérer. Ce bébé-là fait plus de 3 mètres, alors il faut au moins 3 personnes ici, grosso modo. Maintenant, nous nous sommes mis d'accord pour prendre un gros serpent, et nous avons besoin de tout le monde ici. Le comique de cette situation, c'est qu'il y a 3 mauviettes et un spécialiste des serpents. Pourquoi 3? Je suis le 4e. C'est génial. Oh merde! Et il perd aussi ses écailles et peut être avec un peu de colère. Un peu? S'il vous plaît, ne la sortez pas! Mais moi, j'en ai peur. Nous avons réalisé qu'il s'agit d'une situation importante. Nous ne voulons pas encore lui parler. Alors, voyons ce que nous avons au total en général. Ce sont des pitons tapis australiens. Celui-ci, le plus petit, c'est un mâle. Oh mon dieu, c'est une sorte de vipère. Oh mon dieu. Il est agressif, n'est-ce pas? Je ne dirais pas qu'il est agressif, mais il s'est débarrassé de son dernier repas et l'a refusé. Ah, donc il va vouloir manger maintenant, c'est ça? Mais il vaut mieux pas le toucher, non? Ouais. Comme il est flippant! Il y a maintenant 7 serpents ici. Le premier est posé là. Je ne sais pas s'il est raisonnable de le toucher, hein, parce que c'est probablement plus que suffisant, en fait. On ne peut pas toucher le serpent orange là-bas, n'est-ce pas? Mais on peut toucher ceux-là, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait, je n'ai pas vraiment envie de le faire.
Est-ce qu'ils vous reconnaissent en tant que dresseur ou non? Malheureusement, non. Oui, vous plaisantez, oui, s'approche, qui les prend? Ouais, il est censé, c'est de bien le faire. Si je le prends par le cou, là, il va s'échapper. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Et là, si je le prends, tout va bien. On enlève tout ça d'un coup, son humeur est déjà gâchée, les gars. Le principal, c'est pas de confondre. Donc, en résumé, les gars, nous avons décidé d'essayer de mettre un serpent dans la piscine et de voir comment il se comportera. Eh bien, je vais être honnête, c'est difficile pour le dire, mais nous allons essayer de nager avec lui. Au moins avec un pour commencer, parce que peut-être que... Enfin, on va voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, ça sera suffisant. Oh putain, il y va! Il rampe vers moi, allez, non? Allez, oh! Je n'irai pas là-dedans. Wow! Moi, je veux sortir, les gars. Allez, viens. Il essaie de sortir tout de suite, attendez. Ne le mettez pas là-dedans. C'est bien, allez, monte. Essayez... Essaye de ne pas grimper, les gars, moi je le ferai plus tard. Bah si c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et pourquoi vous n'avez pas sauté, vous? Parce qu'on a eu peur. Allez les gars, on va faire ça. Nous allons monter maintenant et nous allons donner l'ordre, d'accord? Allez, c'est parti! C'est pas la peine de nous jeter dans la piscine! Allez, monte, allez! Non! Êtes-vous prêts? Non, elle est toute prête au jeu! Attends une minute, non! Ne viens pas là! Oh, vous devriez savoir à quel point c'est effrayant. Bon, les gars, on a réussi à en faire un. Essayons d'en faire maintenant avec trois. Allez. Je vais pas rentrer là-dedans, putain. Très effrayant, désolé. Pour les gros mots, vraiment, mais c'est... Il faut lutter contre ses peurs. Vas-y, comme ça. Non, je ne grimperai pas comme ça. S'il vous plaît, enlève-le. Quand je suis tombé, j'ai senti qu'il était là, quelque part, là. Et je suis comme ça, là. Il mord. Et... Vite, pour ne pas que je le sente, quoi. Ah... On nous a aussi dit que s'ils sentent le sang, ils vous attaquent comme une proie. Alors, je l'ai scellé. J'espère que je ne serai pas une proie. Les gars, je vous propose un défi. Maintenant, nous allons grimper dedans et ne pas en sortir. Et ils nous lancent les serpents. Et celui qui en sortira, eh bien, sera une mauviette. Je veux être une mauviette, d'accord? Oui, mais attendez, vous êtes tous d'accord, non? Ouais. Allez. C'est bon. Allez. En résumé, les gars, nous avons décidé que celui qui sortirait le premier nagerait avec le mutant qui est juste là-bas. Pas avec celui qui est dans la valise, mais avec celui qui est dans la grosse valise à côté. Êtes-vous prêts? Allez, debout, les gars. Aidez-moi! J'en ai peur, les gars! Je ne la veux pas! Elle est où? Et voilà! J'aime pas ça! Ah non, c'est nul! Ah non, mais il m'a touché là! Non! Ça suffit! Stop! Allez, on arrête! J'adore mon travail! Les gars, je m'excuse sincèrement pour les gros mots que j'ai dit, mais nous ne pouvons pas vraiment les contrôler. C'est juste impossible sans les grands mots. C'est trop... N'oubliez pas, vous comprenez bien que je veux dire un truc et c'est de la merde qui sort de la bouche. C'est le Samet, ça! Oh non! Oh. Non, c'est pas le PN! Non! Les gars, je me retiens vraiment! Ouais, je te tiens! Ça suffit! Arrêtez! C'est la vidéo la plus effrayante à laquelle j'ai participé. Je ne conseille à personne de rencontrer un serpent comme celui-ci quelque part dans la nature, parce que je suis... Maintenant, il faut que tu surmontes un peu ta peur. Je veux leur parler directement, c'est bon? N'est-ce pas, Maxiuta? T'es d'accord? Et moi, je veux pas. Je peux y aller? Tu entends? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends juste leur sifflement. Il faut leur regarder la peur droit dans les yeux. Ouf, allez. Venez, prenez-le. Bon, est-ce que je peux être dans le sens au moins? Non. Regarde sa queue. Il sera furieux si vous le prenez par la queue. Ouais, vas-y. Ouf. Tiens, encore. Je ne peux pas. Tiens, tu vois, par là. C'est mon maximum. J'essaie de le tirer, il ne veut pas, il est énorme. Oh, ça, ça n'en fait bien.
gros. Voilà, voilà, allez. Voilà. Tiens-le comme ça, tiens-le. Oh, je l'ai pris, je l'ai pris. Merde ! Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es con ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a frappé la tête. J'ai failli me chier dessus. Et pourquoi il a fait ça ? Il veut juste s'échapper. Je pense qu'on devait tenter notre chance. Avec tous ici. Ouais, ici on monte, ils mettent tout le monde dedans, allez. Je ne veux pas. Je n'ai pas peur. Je vais rentrer. Après avoir passé beaucoup de temps avec eux, j'ai réalisé que je pouvais au moins les toucher, quoi. Jusqu'à ce qu'ils commencent à donner des coups de queue. Et quand ça commence, je commence à flipper, je peux pas me contrôler directement, quoi. J'ai super peur. Allons-y, les gars. Maxou, t'es magnifique, un homme, vraiment. Hop, 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 attrapé. Allez. Attention, attention. Je l'ai pris. Moi, je suis prêt, les gars. Je suis prêt à le tenir. Je suis prêt à le garder. Ah non, moi aussi, je le garde. Enlève de là. Pourquoi est-ce qu'il... C'est pas drôle, les gars, sans blague. Prenez Homer de moi, là. Homer. Ah, enlève. Ah putain! Ah merde! Dégage-le de là! Il semblerait que Maxuta ne soit pas encore redescendu. Je pense que je commence déjà à mieux réagir au serpent. Romain aussi, là, je coule plutôt. Mais alors là, Maxuta, il est une sorte de crise. Il faut faire quelque chose là, non? Je suis en train de flipper, je me barre de cette piscine. Donc en résumé, les gars, maintenant on monte ensemble et il y a moyen de regarder un gros serpent, mais il peut vraiment mordre. Ouais, il va vraiment... Alors faut faire gaffe quand même, n'est-ce pas? On survit, mais faudrait endurer une douleur pendant une demi-heure. Bref, les gars ont demandé à ce qu'on leur donne le plus gros serpent. Le clou du spectacle. J'espère que ça va les aider. Il m'a mordu. En plus, il est en train de muer, alors regardons. La peur dans les yeux. Oh, c'est quoi cette tête? Alors, il est très lourd. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends-la par la tête. Non, pas la queue, ok. Elle mesure entre 4,5 et 5 mètres. Putain de merde, ça pèse combien? Environ 35. Oh, les gars, pour que vous compreniez bien, voilà le mutant, quoi. Vous voulez bien m'aider? Comment ça, non? Non, non, non. On peut le remettre à sa place, s'il vous plaît. Non. Ne vous barrez pas. Tout va bien. Les gars, écrivez dans les commentaires si vous aimez aussi combattre vos peurs. Je pensais que Romain aurait plus peur. Comme je pensais que j'aurais plus peur. Mais Maxuta s'est avéré être comme direct en mode panique ici, ouais. Bon sang, c'est toujours Maxuta. On a géré. Ils sont apparus juste devant moi. Ils ont surgi, deux serpents. Et là, ils sont nagés jusqu'à moi. J'étais comme... En bref, les gars, nous avons fini avec ces serpents. Nous les enlevons. Parce que ça suffit de les embêter, après tout. Pendant combien on a joué avec eux? Ils ont été patients et ont craint d'avoir été au bout de leur patience à un moment ou un autre. Bref, j'ai besoin de le tenir pour vaincre ma peur. Une vraie phobie, mais il est méchant. C'est là, regarde. Ouais, j'ai les mains qui sont glissantes. Mais ça va. Non, il va pas mordre. Non, non. C'est sûr? C'est pas sûr. Oh zut, j'ai besoin de précision. Il y a une statique précise? 90% qu'il mord pas. C'est bon pour toi? Non, non, je peux pas. Assieds-toi. Allez. Ne te lève pas. Pourquoi il appuie ça comme ça et moi je dois le tenir là? C'est n'importe quoi. Regarde, je ne tiens presque pas. Presque. Mets ta main ici. Juste pour qu'elle n'aille pas n'importe où. Oh, mais se tourne vers moi là. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, quoi? Tu peux te déplacer tranquillement. Calme-toi, je suis nerveux aussi, moi, ma petite chérie. Ouf. Détends-toi. J'y arrive pas. N'aie pas peur. Laisse-moi te lâcher. Donne mon gant. Tu vois, toi bien. Ça n'est pas normal, ouais, du tout. Ouais, c'est risqué. C'est risqué ou pas? Il est capable de tuer quelqu'un? Ouais, tu peux juste ne pas le tenir trop longtemps et c'est très bien. Un pneu crevé. Bref, il y a une offre de baignade. Allez, on y va. Tu vas vraiment nager avec lui? Eh bien, c'est bien nécessaire pour le bien de la vidéo, pour le bien du like, pour le bien de l'abonnement, pour le bien d'un bon commentaire. Moi, je suis prêt à le faire. Bref, les gars, c'est un truc de malade. Un python de 5 mètres, et je vais aller nager avec.
Mais on va tenir la tête. Je le dis tout de suite pour que vous n'écriviez pas plus tard. Oh, on ne peut pas lâcher la tête. Allez, on y va. Allez. J'ai peur. J'ai vraiment trop peur. Mais pas... Allez, je vais y arriver. Allez, je regarde. Ok. Attendez, je vais le tenir. Ne lâche pas. J'attends, ne lâche pas. Prends là dans la deuxième main. Bien joué. Et tu recules. Oh putain. Vas-y. Mets-toi sur le dos. Oh, attends. Détends les jambes. Non, mais j'y arrive pas là, il se barre quand même, je craque. Allez, non, mais il est trop fort. Non, calme-toi, il est vraiment trop fort, les gars, il est vraiment trop fort. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Non, mais là, c'est ce flip là. Attends, calme-toi. J'ai l'impression qu'il veut se barrer, c'est tout, quoi. Bon, oh, j'en ai marre, les gars. Moi, je peux plus. Ouais. Oh. Ça y est, je l'ai fait. Encore une fois. Les gars. Écoute, tu le prends comme ça. Non, j'ai fini. J'arrive plus à me concentrer, non. Vas-y, je suis à côté. Non, tout va bien. On a réussi, les gars. Je pense que c'est la vidéo la plus incroyable sur la chaîne Duchesse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez-la. C'était flippant, vraiment, c'était super flippant, un truc de ouf. Allez, salut, allez. À bientôt.